Ce passage, c'est entrer dans l'église comme enfant de Dieu. C'est le baptême qui constitue la porte des sacrements. Quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême ne peut pas prétendre recevoir d'autres sacrements. Et donc, c'est ce passage-là qui est manifesté. Il est beaucoup plus important encore le passage que nous avons à faire, nous, comme pèlerins de ce monde vers le ciel. C'est pour cela que nous commençons à prier. Vous demandez le baptême pour votre enfant, c'est à vous. Vous devrez